Tout a démarré. Je suis sur un fil. Putain, j'ai pas envie là. Putain, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Non mais je vous jure, là je rigole pas. Hein. Comment vous dire, j'avais essayé Outlast 1 et j'ai, enfin je me l'étais pris, il était gratuit avec le PS Plus. J'ai jamais réussi à jouer plus d'une heure. Pourtant j'avais la bonne volonté, je voulais le terminer et j'ai pas pu. Alors pourtant, enfin je veux dire, j'aime bien les jeux d'horreur. Surtout si voilà, je suis à plusieurs, entre potes, entre cousins, il n'y a aucun problème. Mais en fait, quand je suis seul, je me plonge tellement dans l'ambiance que je me crois dans le jeu. Et ça me fait... bah ouais, ça me fait hyper flipper, quoi. J'ai pas peur de le dire. Et le problème, c'est que dans ces genres de jeux aussi, quand, bah, quand tu vas te coucher et que t'es seul, c'est encore pire. Parce que tu repenses à tout ça, et tu te dis, mon Dieu. Enfin, t'y peux rien, quoi. C'est psychologique. Et je pense que beaucoup ne veulent pas l'admettre. Mais je suis certain que même ceux qui aiment doivent flipper le soir. Ou alors, faut vraiment être habitué. Non, mais sérieux, c'est pour ça que j'évite. Parce que les jeux d'horreur, ils ont vraiment des superbes principes. Et c'est con que j'en joue pas plus que ça. Mais je me refuse de le faire. Tout simplement parce que j'ai pas envie de me mettre dans un état d'esprit où je me sens mal. Et là, nous sommes le 31 octobre, à minuit, Halloween. Et... il faut que je vous ponde un jeu d'horreur. Je suis obligé. Mais j'ai pas envie. Non. J'ai pas envie. J'ai pas envie. Je vais flipper. Bon allez. Oh putain. Non mais j'aimerais bien le lancer, j'y arrive pas. Et c'est pas des conneries. Je surjoue pas là, hein. Bon. My god. Alors, c'est con parce que le son, je peux pas l'avoir dans mes oreilles. Donc je vais devoir le baisser sur la télé, histoire que vous l'entendiez pas dans le... enfin quoi que... normalement, je vais accorder le son avec ma voix, donc il ne devrait pas y avoir de soucis, mais bon, pour éviter l'écho au maximum. Je vais pas trop monter le son. C'est dommage, ça me mettra pas énormément dans l'ambiance. Même si, bon, je pense que si, quand même. Oh, putain. Non, mais là... putain, même la musique, rien que la musique, là. J'aime pas cette ambiance. Putain. Je vais mettre le plus de luminosité possible. Oh putain. Non, allez, vas-y, laisse comme ça, je m'en fous. Fais voir les options. Show tutorials, oui, oui, oui. Inverse, volume, je sais pas. Oui, c'est... non, oui, vas-y, non, c'est très bien comme ça. Bon, on y va. Oh, j'ai pas envie. Oh, j'ai trop pas envie. Attends, je vais peut-être me mettre un peu plus de luminosité sur ma gueule. Voilà. J'ai vraiment pas envie. Bon allez, on y va. Je peux pas y mettre en français? Ah non, je crois que c'est qu'en anglais ce truc. Bon tant pis, on va se démerder. Hein. Alors, bienvenue dans la démo de Outlast 2. Vous êtes Blake Lungerman, un caméraman qui travaille avec sa femme, Lynn. Ces deux-là ont fait une investigation journalistique pour prendre des risques et pour découvrir les histoires que personne n'a jamais découvert. Tu suis l'aventure, non, a trail of, enfin, une chasse aux indices qui a commencé. Attends, oulala, that started with the seemingly impossible murder. Ah oui, d'accord. L'indice qui a commencé avec apparemment un meurtre impossible d'une femme enceinte qui était seulement connue sous le nom de Jane Doe.
L'investigation vous a mené à des milliers de... Ah ouais, d'accord, à des milliers de kilomètres jusqu'en Arizona, dans le désert de l'Arizona, dans la noirceur, dans la profondeur, où personne n'irait sans lumière, et où la corruption si profonde... Oh putain, je suis nul en anglais. That going mad may be the only sane things to do. Bref, j'aurais pas trop compris la dernière phrase, mais c'est pas grave, on va y aller. On a déjà un peu trop traîné comme ça. Putain, joyeux Halloween tout le monde, hein. Joyeux Halloween, on va s'éclater. Mais pourquoi ils s'aventurent dans des trucs comme ça aussi? Restez chez vous! Je sais pas, moi, écouter les oiseaux chanter, le vent qui balaye l'herbe. Je sais pas, moi. Putain. Lynn! Non, il me faut mes lunettes, là. Remarque. Moi, je verrai moins la sale gueule des monstres. La fameuse caméra. Bon, pour le moment, ça va, hein. Qu'il y a de la lumière. Et après, je vais flipper ma race, putain. Je sens trop bien. Bon, alors, pour utiliser la caméra, appuyez sur R1. Pour tourner en version de nuit, appuyez sur R3. Tu zoom, use ça. Ok. D'accord. J'ai pas utilisé la batterie parce que là, je suppose que. Ouais, allez, je vais pas utiliser la batterie. Surtout que j'ai qu'une charge sur 8. Alors, déjà, c'est bien fait. C'est du... Oh, ça doit pas être du 60 fps, si. Oh, allez, à peu près, si. Si, surtout pour un jeu indépendant, ça doit être du 60 fps. Enfin bref, on s'en fout, putain. Je vais flipper, là. presse croix pour sauter. Mais je peux rester dehors, sinon... Hein, la lumière de la lune, ça me va très bien. Je suis bien, là, non? J'ose pas regarder ce qu'il y a autour. Je crois que je vais foncer, c'est... Plus ce sera vite fini, mieux ce sera, putain. Is anybody there? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Oh non, j'aime pas ça. Jesus. Qu'est-ce que c'est ça? Non. Qu'est-ce que... Oh putain, non. J'ai pas envie de m'approcher là. Oh putain! Non, viens là, viens là, viens là! Viens là! Viens là, toi! Il a disparu! Oh putain! Oh merde! Oh merde! Oh putain! Mais il faut chier avec le corbeau, putain! Bon, en fait, ce que je fais souvent dans les jeux d'horreur, c'est que... Enfin, souvent. Le peu de fois que je joue. Y'a personne dehors. En fait, dès que je vois quelque chose, je fonce dessus. Comme ça, il aura moins de chance. Comme ça, il aura moins de chance de me surprendre une nouvelle fois. Vous voyez, j'ai vu le gars, j'ai foncé, quoi. Par contre, ce que j'aime pas dans les jeux d'horreur, c'est quand vous êtes comme ça, vous vous retournez et BAH! Vous voyez quelque chose. Oh, putain, comme j'aime pas! Move back, d'accord. Parce que là, il y a de la lumière.
Non mais franchement, je suis désolé, mais j'aime pas jouer à ça. Ça tiendrait que de moi, j'aurais déjà arrêté là. Tout qu'en plus, là, putain, ce soir, je vais me coucher, je vais... Oh, putain. J'aime pas. Comment je fais déjà? Ah oui. Je suis obligé d'utiliser là. Surtout qu'en plus, tu peux faire ça. Oh mon dieu. Bon, vite. Je sais pas ce que c'est, j'ai pas envie de savoir. Bon, Kishni, c'est qu'un jeu, d'accord. C'est quoi ça? Putain, c'est des enfants. Bon, on va s'établir une règle. Je ne me retourne jamais. Comme ça, au moins, j'ai pas de risque d'être surpris. Voilà. Oui, bonjour, je suis une lopette. Je sais. Attends. On va se faire pousser dedans. Oh, c'est quoi? Putain, une langue! C'est le grand Sarlacc! Excusez-moi. Oui. Merde. Quoi? To look behind? Non! Non! Non, je regarderai pas derrière moi. Et le pire, c'est que je le fais. Mais si il me dit de le faire. Oh putain. C'est que forcément j'en aurais besoin. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Putain, le pire c'est que je regarde derrière moi, mais je suis trop con. Oh cool, une salle de cours. C'est bien ça. Ah, tout de suite, c'est un endroit plus familier. Je me sens mieux. Il y a eu une ombre sur le tableau, là, non? Bon, alors, nous allons étudier. C'est quoi, ça? Ah, oui. Batterie. Comme dirait PewDiePie, batteries. Oh, j'ai trop regardé. Faut que j'arrête les conneries. Alors, est-ce que vous pouvez me situer le Canada? Ok, on va arrêter. J'essaie juste de faire passer le temps un peu tranquille, voilà, là on voit la France. C'est bien. On voit à quel point la Russie est étendue. Putain, mais en fait c'est super grand la Russie, c'est un truc de fou. Oui, non mais je savais déjà, mais j'essaie juste de perdre du temps. Oh, de toute façon je vais être obligé d'y aller. Je sors par quelle porte? Téléphone portable. Un téléphone portable ça? Non, pas possible. Bizarrement, je serais pas. Ouais, voilà, je serais pas sorti par là, moi. Bref. Ah oui. Non, mais j'aime pas ça. Oh non. Oh non. Bon, je vais courir. Je ne me retournerai pas. Putain, je suis obligé. Non, 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 là je sens le screamer là. Oh non. Non. Pitié, je peux me cacher. J'entends quelque chose là. Non mais arrête, arrête de jouer de la musique là, ça sert à rien. Marie, c'est pas drôle. Qu'est-ce que c'est que ça? Je vais me cacher dedans. Bah, ça sert à rien.
Putain, je sens que je vais flipper dans pas longtemps. J'aurai plus de batterie. Putain, ta mère! Je t'encule, putain! Excusez-moi. Non. Oh, je suis revenu au début du couloir? My god, mais c'était taré de faire ça! Oh, c'est quoi ça? Non. Je peux pas sortir. Allez. Je veux sortir. Ah. Putain. Putain. Mais... Il faut chier. Oh non. Oh non. Oh non. 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 I'll bleed you in the yard. Putain, mais une course. Non, je déteste ça. Oh putain. Cours jusqu'à ce qu'il ne te repère jamais. Stop moving. When exhausted, stop moving. And je sais pas quoi. Ah, quand il me voit. Je dois m'arrêter. Non, viens pas là, s'il te plaît. Dégage. Dégage, s'il te plaît. Non, j'aime pas les trucs d'infiltration comme ça. Ok, il est parti. Je vais récupérer ça. Allez. La lumière de quoi, ça? Un pas d'air. Je vais monter. Allez, échappe-toi. Échappe-toi. Il m'a vu. Ils m'ont vu. Mais c'est horrible. C'est... Oh putain. Allez, encore les lunettes. Et là, il va les remettre et... Wouah. Voilà. Et voilà. Quelle idée d'avoir des lunettes. Hein? Non, c'est pas moi qui dis ça. Oh putain. Quoi? Elle m'a castré. Mais what? Bon bah je suis castré. Oh, c'est... Bon, c'est déjà fini, c'est bien. Tant mieux. Je sais pas si, vu que je vous parlais, ça pouvait aller mieux, mais ça allait. Mais je pense qu'en le faisant tout seul, vraiment sans parler, sans... et puis en mettant vraiment le son dans les oreilles, ce sera encore pire. Mais là, j'ai essayé d'un peu le tourner un peu en dérision, mais je tremble quand même. Hein. Mais on va dire que la pilule est plutôt bien passée, ça va.
Ça reste un jeu que je ferai jamais tout seul, c'est sûr. Je pense que ça peut être un bon jeu, le complet, oui. Surtout si vous êtes intéressé par ça, je vous le conseille. Mais voilà, je voulais absolument faire une vidéo pour Halloween. J'ai ma petite habitude depuis quelques années, je fais ça. Je crois que j'ai jamais loupé un Halloween depuis quelques temps. Je faisais souvent des trucs avec Waka. D'ailleurs, on voulait faire cette démo ensemble, mais là, on n'a pas pu. Ça aurait été avec plaisir, mais du coup, voilà, je me suis fait flipper tout seul, c'est tout. Non, mais je déteste ça, vraiment. Enfin, je crois que je vous l'ai assez dit, non? Mais je déteste ça, c'est... Ah non, mais vraiment, je n'aime pas faire ça. Je trouve même pas de plaisir à jouer. Vraiment, c'est tellement tendu, je trouve aucun plaisir à jouer. Pourtant, je sais que c'est un bon jeu, vous voyez? Enfin, c'est un... Alors, comment dire? Personnellement, je ressens pas de plaisir, mais j'ai conscience du potentiel du jeu, ok? Je dis pas que c'est un mauvais jeu, pas du tout. Voilà. Bon, allez, on va s'arrêter là, parce que ça suffit. Ça suffit! Arrêtons le massacre. Allez, retournez bien à vos occupations. Allez bien dérober des bonbons chez les gens. Leur faire peur un petit peu, c'est cool. Et puis, on se retrouve pour une prochaine fois. Allez, ciao à tous.